Bonjour les petits chiens. Comment allez-vous ce matin? Oui, ça va? Qu'est-ce que c'est ça? On est sage? Ils nous font des trous tout le long de la maison. Enfin, surtout devant et sur le côté. Oui, c'est qui a commencé à faire ça? Ah ben voilà. Il sait très bien qui c'est qui a commencé à faire les trous. Qui c'est qui a commencé à faire les trous? Et qui a montré au petit chien comment fallait faire? C'est toi? Bah voilà, c'est toi. Bah, j'avais bien vu que c'était toi. On le sait tous, hein? Oui, on sait que c'est toi. Oui. Qu'est-ce que ça a piqué encore? Il a été chercher un bout de bois. Tu fais le beau? Tu fais le beau pour la caméra, c'est ça? Oui. Bon, j'ai fait une petite folie aux courses. Je me suis acheté un assortiment de 12 assiettes. Voilà. J'en ai pris 12 comme ceci. Elles sont très jolies. Elles existaient aussi en verre et c'est un joli verre. J'ai pris 12 assiettes à dessert et j'ai craqué, j'ai pris le plat. Oui, je sais, j'en ai plein de plats au four. Mais je me vois bien faire des œufs au lait dedans. Juste au moment où le petit chat voulait aller dehors, on a une petite pluie fine. Bon, bien sûr, vous allez entendre Bob, hein. Voilà, la bobinette, tout le temps en train de râler. Du coup, le petit chat veut plus y aller? Urias, tu veux plus y aller, mon chaton? Oh ben non, là, il pleut. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dehors, il pleut? Et là, nous avons un chien qui nous regarde, il nous observe. Oh, bah le voilà. Tu fais la tête? Tu fais la tête? Non, du coup, le chat, il veut pas sortir. Il y a 3 gouttes. Bah oui. Bon, je me pose 2 minutes pour vous montrer les livres que j'ai achetés. Alors, j'ai trouvé Alban, le tome 1 et le tome 2 de Marie-Bernadette Dupuis. Donc là, c'est aux éditions Kalman-Lévy. Donc on est apparemment en 1939 en Dordogne et on va suivre Alban de Séguillère qui a 21 ans et qui est institutrice. Voilà. Donc là, on est carrément encore au creux de la guerre. Et donc, le tome 1, c'est « Un ciel d'orage », je n'avais pas dit le titre. Et le tome 2, c'est « Au nom de la liberté ». Il n'y avait pas le tome 3. Je crois qu'il y a le tome 3. Et je ne sais pas s'il y a 4 tomes. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai trouvé l'Albas... La... Non, mais... Et ensuite, j'ai trouvé La valse des âmes de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Voilà, j'ai écouté son petit live, c'était au début de la semaine dernière, je crois. Il en avait parlé. Et donc, j'ai hâte de le lire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Il faut absolument que j'aille coudre. Ma soeur vient samedi. Je n'ai pas terminé ces petites pochettes. Mais pour l'heure, je termine de préparer le vlog d'hier. Comme ça, je le termine vite. Je le mets sur YouTube. Et j'espère qu'il ne va pas mettre toute une nuit à charger. N'est-ce pas? Allez, croisons les doigts. Alors, ce soir, je vais préparer des côtes de chevreuil en cocotte. Voilà, donc tomates, carottes, navets, petit oignon blanc. Qu'on appelle aussi l'ail des ours, je crois. J'ai mis des champignons, puis il me faut de la farine, de la maïzena, du sucre, du thym, du romarin, même de la muscade. Voilà, j'ai trouvé cette recette sur cookpatt.com et je vais le faire dans mon roaster. Je vous reprends un petit instant. J'ai gardé ma boîte de persil, par contre à l'intérieur j'ai fait, j'ai mis du persil que j'avais frais. Voilà, je l'ai découpé en... je l'ai haché. Voilà, merci Marilyn, voilà. Je l'ai haché, je l'ai mis au frigo et en fait il a séché et du coup après je l'ai mis à l'intérieur. Donc on peut ouvrir la boîte, voilà, et j'ai mis mon persil à l'intérieur. Voilà, comme ça j'utilise mon persil, mais j'ai gardé la boîte. C'est plus pratique pour le ranger dans le... avec les autres... avec les autres herbes. Voilà, allez, on continue. Bon, il est l'heure de vous quitter, donc je vous dis bonne nuit et à demain.